On se retrouve avec Yvan Charbot, qui est notre dernier qualifié en lice encore, à 18 joueurs left, 633 000 de moyenne. Tu viens de doubler, on vient de le mettre sur le blog, heureusement, entre guillemets, enfin même sans guillemets d'ailleurs, avec Dame 9 contre Roi Dame. On résiste, mais on résiste en ayant peut-être des objectifs d'aller beaucoup plus haut maintenant du coup. Ben écoute, on a toujours envie d'aller plus haut. Hein. Déjà, le premier objectif était d'être ITM. Le deuxième objectif était d'être le dernier qualifié PMU. Donc là, ça y est, on a atteint deux objectifs. Deux tables. Tu peux encore être le dernier PMU, même, puisqu'on a encore Damien et Erwan qui sont encore bien dedans. Mais vous êtes à trois encore à représenter les couleurs. On est encore à trois. C'est tout à l'honneur de PMU. Donc le prochain objectif, ben, clairement, c'est la TF. Faut aller voir plus loin. Puis quand on sera en TF, on reverra un petit peu, on révisera. Il y a encore quelques heures de jeu ce soir, tu te sens comment après deux longues journées de tournoi pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude d'en jouer des comme ça tout le temps? Bah écoute, j'ai quand même un peu l'habitude, contrairement à ce que tu dis. Non, non, mais je disais des WPT ou autres. J'ai fait quelques PPT, j'ai fait quelques tournois avec des structures où tu jouais pendant 12-13 heures toute la journée. Bon entraînement sur le net où, tu vois, avec, après le travail, on grind et je finis à des 2-3 heures du matin. Donc, non, au niveau physique, il y a de l'entraînement. Puis on a fait un petit tour au Queen hier soir. C'est bon. On va suivre tout ça. Est-ce que tu as un petit mot à dire à des gens qui te soutiennent, qui t'envoient des textos, qui te supportent sur les réseaux? Eh bien, à tous les amis, effectivement, qui m'envoient des petits textos, qui commentent sur Facebook, je leur dis de continuer à le faire. Pour l'instant, ça réussit pas mal. Et puis surtout, un gros, gros bisou à mes trois filles et puis à ma petite femme qui supporte mes absences et puis qui supporte toutes mes parties de poker. Eh bien, écoute, je crois qu'elles vont apprécier de te voir là et puis de te voir encore plus loin. Si tu peux être absent demain, je crois que ça leur fera encore plus plaisir.